Je fais que passer ce profil, je vais essayer de revenir avec mon pseudo de base à moi. Pas de soucis, Selma. Ouais, il est pas mal celui-là. Selma dit essence. Il est très bien même. Alors le bois. Ouais, il faut passer par le par la station de service. J'essaie de faire le max en 2 heures. Ah, ce qui me fait rigoler, c'est ça aussi, c'est ce bug là de. Ça, ils l'ont pas changé. C'est le klaxon qui tue ça. Tu klaxonnes, ça déglingue toute la barrière. Là. Allez, on va prendre par là. Et en plus, il y a le... Comment ça s'appelle? Il y a le point de contrôle là. Voilà, comme ça c'est fait. Ouais, il y a un véhicule. Ah ben oui, je peux le renvoyer au garage alors du coup. Ça a déjà été fait ça, non? Non. C'est bon. Changer de véhicule. Attention, si vous changez le camion maintenant, vous perdez le défi. Ouais, ben je m'en fous. C'est pas un problème. Récupérer. Voilà, comme ça tu récupères tes véhicules. C'est vrai, je m'en rappelais plus de ça. Peut-être tu peux les envoyer directement au garage. Ça te fait gagner un temps considérable. Donc, carte locale, on va reprendre le Tatra. Voilà, c'est impeccable. Merci en tout cas, Sulfate, pour ce conseil précieux que j'avais oublié. Tu vois, je me rappelais plus qu'on pouvait récupérer les véhicules sur celui-là. Allez, on va charger le bois. Ah, ça va, ouais. Pas besoin de mettre en lente là. Il passe tranquille, là, le zinzin. Alors attends, le camion, il est un peu plus haut, on va aller le débloquer. Hein, avant de se charger comme une mule là. Je crois qu'il est juste au-dessus là, si mes souvenirs sont bons. Yes. Il est pas mal celui-là, mais il faudra y mettre des roues pour la boue, parce que c'est des roues. Véhicule découvert, changer de camion, tac, tac, récupérer, pam, allez, ça c'est fait. Putain, le temps que tu gagnes. Là, tu m'as fait plaisir, Sulfate, là, putain. Je l'avais pas vu, ce truc récupéré, quoi. En même temps, il est pas mal, celui-là, de camion, là. Je sais que je l'avais essayé, mais il faut y mettre des roues pour les tout-terrains, parce que sinon, il c'est compliqué. Hein. Parce qu'il est pas mal comme il tire bien la charge.
Allez, on va récupérer notre bois. Voilà. Et on va récupérer la remorque. La remorque gratuite. Doit être trop près. Ça va se mettre à l'extérieur, ce sera plus simple. Ouais, non, je suis trop loin. Je suis pas droit. Bon, et bien c'est mort, je n'arrive plus à me reconnecter à mon ancien compte. Bah, c'est pas grave, garde celui-là. Garde celui-là, il est bien ce. Il est très bien ce pseudo. Je suis peut-être pas assez près. Voilà, là ça devrait être bon. Voilà. Ouais, t'as pas le choix, ouais. Par contre, tac. Merde, je sais plus comment on fait. Ouais, je te remettrai. Invité, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. J'ai entendu une notif de suivi. Je l'ai pas eu sur le truc. Je l'ai pas vu. Alors, je sais pas si c'est toi, Sulfate, qui a. J'étais en train de regarder justement sur le chat. J'ai pas fait gaffe. C'est toi qui a suivi. Ah putain, ça m'a tout déréglé le truc là. Non, là c'est bon. Allez, on verra ça plus tard. On va pas s'emmerder. Je fais que passer. Profil, je vais essayer de revenir. Ah ouais, non, ben ça je l'ai vu. Putain, mais comment on revient sur le truc là? C'est quand même ouf ça. Ah, c'est le mât. Ouais, et j'ai que tes messages là. Suivre, ouais. Merde, tac. Non, pas bannir, putain, c'est pas vrai. Hein. Excusez-moi, les amis. Alors, si je ferme le chat, que je le remets, ça fait quoi? Ouais, il y a eu un abonnement, enfin un abonnement, un follow, donc merci pour le follow, je pense que c'est toi, Sulfate, apparemment. Je pense. Donc merci à toi. Sois le bienvenu en tout cas. Et un deuxième, ça c'est Selma avec son nouveau compte, je pense aussi. Parce que là j'ai tout sur le même écran. Là, et je n'ai plus le chat. Alors, tac. Le chat. Voilà, Sulfate, quand tu acceptes les défis. Ouais, ça c'était. Non, là c'est Sulfate. Ah ouais, d'accord, ok, ouais, c'est l'inverse, d'accord. Ben, merci à tous les deux en tout cas. Merci, merci Selma. Qui était déjà
qui était déjà follow, et puis merci Sulfate pour ton follow, c'est super, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc là je détache, attends, tac, parce que Selma est venue foutre son bordel. Voilà, donc il faut que je le remette là. Là on est bon. Là on est bon. Et il y a eu encore un follow. Un objectif de follower atteint 70. Ah ben oui, alors donc il y en a eu un supplémentaire. Je ne sais pas qui c'est. Parce que j'ai pas le. J'ai pas le. Voilà, il faudrait que je le laisse là, ça. Ben en tout cas, merci pour les trois follows. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Merci. Et on va pouvoir continuer. Continuer. Donc je te mettrai un truc hors ligne là parce que. Salut de rien. Ben salut Colosse. Merci à toi. Merci à toi, Colosse. Ça fait plaisir. Allez, on peut continuer. Après ce petit problème technique. Hein. Attends, que je remette la fenêtre du chat parce que j'ai tout sur le même écran, j'ai pas un écran de suivi. Voilà. Voilà. Donc, ben merci. Merci à tous les trois pour le follow. On a atteint les 70 followers, ça fait plaisir. C'est le 70e. On va ouvrir la bouteille de champagne. Allez, c'est parti. On y va maintenant. Hein. On va ramener le bois à Robert là-bas. On va voir s'il s'en sort sans le différentiel. Ouais, ça doit passer. Bon, je suppose que tu dois y jouer, Colosse, à SnowRunner aussi. Tu dois être un fan de ce jeu, je pense. Ouais, parce que c'est pas tout le monde qui joue à ce jeu. Ah, il tire bien celui-là, le camion là, il va bien. Hein. Le Tetra et le Bandit, mais le Bandit, il faut y mettre des roues. Ouais, mais ça fait un moment que j'ai pas joué. Ouais, mais moi c'est pareil, j'ai joué au début, et puis là je l'ai pris avec toutes les DLC, donc du coup, ben, j'ai dit je vais refaire un stream depuis le début pour voir un peu les changements et tout. Mais comme je disais à Sulfate, j'ai mon coup de cœur pour Spin Tire et MudRunner quand même. Hein. C'est les deux premiers que j'ai commencé. Et franchement, il y a beaucoup moins de missions, hein, c'est sûr. Hein. C'est que de livrer du bois, mais la conduite, elle est technique. Hein. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a plein de missions, tu vois. Mais ça reste un bon jeu quand même, hein. Ça reste un très bon jeu. Hein. Pour ceux qui aiment le tout-terrain et les émissions, les routes de l'impossible, hein, ben, on est servi, là, on est servi. Ouais, le garage, il est là-bas.
La physique est vraiment bien faite, ouais. Et encore, c'est que la première map, Michigan, ouais, c'est que la première map, ouais, tout à fait. Après, il y a des bons trucs. Après, je me rappelle, moi, il y a des endroits escarpés où tu dois passer avec un poids lourd, il y a des planches, tu dois passer dessus, c'est chaud. Même dans celui-là, la première map, là, quand tu dois ramener le, si mes souvenirs sont bons, un générateur. Un gros générateur là, putain, celle-là elle est costaud à faire aussi. Allez Gérard, avance, on est à combien là? 20 km/h, c'est vraiment les routes de l'impossible. Hein, c'est les émissions que je regarde, moi je me régale de voir dans les pays. Les routes qu'ils ont, c'est aberrant, quoi. C'est, tu vois, les mecs, putain, ils ont. Il faut des couilles, hein, pour passer où ils passent. Hein. Avec des camions qui ont je sais pas combien d'années. Hein. Que t'oserais même pas conduire. Hein. Ouais, donc là, on a de la ferraille. Hein, et donc, du coup, ouais, la remorque gasoil, elle doit être. Elle est là, ouais, c'est ça. Elle est là avec une mission. Elle est au fond, ouais, c'est ça. Bon, ça s'en occupera plus tard. Camion russe de 1953, ouais, c'est ça. Ben, tu sais que c'est des super machines. Hein. Je crois que les Russes, c'est les meilleurs. En termes. Les Allemands aussi ont des bons. Ah ouais, bah alors moi, je suis vraiment une comique. Hein. Mais les Russes, ouais, c'est vraiment les meilleurs. Hein. J'ai vu des trucs, des camions russes sortir de ces trucs. Tu te dis, les mecs, ils sont bons quand même. On va la laisser là, celle-là. Voilà. Et l'autre, je l'ai laissé en plein Mitch. Le mec, il aime galérer, quoi. C'est pour ça que j'aime Spin Tire et Mud Runner, parce que c'est que du Rouskoff, hein, les machines qu'il y a. Hein. Allez, toi, on va te foutre ailleurs parce que là, tu m'emmerdes. Tu me gênes le passage pour aller chez Robert. Voilà, foutre par là. Mais dans Spin Tire et Mud Runner, ouais, c'est que ça, c'est que du véhicule russe, quoi. C'est des machins incroyables. Hein. Si t'enlèves pas le frein à main, on va pas y arriver. Hein. Allez, on va y déposer son bois là, Gérard, à Robert là, et puis ça, c'est bon. Cette mission, elle sera terminée. Hein. Allez, ça c'est bon. 3800 balles. Eh ben écoute, c'est mieux que rien. On va ramener la remorque. Au garage. C'est pas du métal, c'est des blocs de béton. Ah oui. Exact. C'est des blocs de béton, ouais. Et je crois, je sais pas si je dis pas des conneries, dis-moi-le, mais il me semble que.